trois quarts d'heure du départ, en souhaitant qu'il n'y ait pas trop de pluie. C'est toujours désagréable de commencer à courir avec les pieds mouillés. Mais voilà, impatient parce que c'est un an et demi de préparation. Et impatient de relever le défi, ouais, tout simplement. Ça y est, c'est parti. Je vais aller sur ligne départ faire une photo pour Loïc. Là, on est à 5 ou 10 minutes de départ à peu près. Ah, on est dedans avec Loïc. Hein. Voilà, c'est fort en émotion. Hein. Le départ est fort. L'arrivée, les derniers 8 jours, sera traité fort aussi. C'est pas seulement l'aspect sportif, c'est qu'à travers ce projet, eh ben, y a Loïc qui est là. Et ça a beaucoup, beaucoup d'importance pour moi. Je poste sur Facebook un message pour Loïc, pour lui dire que voilà, on y est. Il n'y a pas que moi, lui est avec moi, avec sa foi et avec tout son courage. C'est la camaraderie au sein de l'armée et toute cette générosité dont on fait part les milliers de personnes, que ce soit la communauté militaire, la communauté civile, tout cet élan de générosité, tout cet élan de solidarité. Prochain arrêt, c'est... Je suis parti sur une phase de 6 heures non-stop pour m'arrêter une heure et quart à peu près. Je vais essayer de fonctionner comme ça pendant 8 jours. 6 heures et une heure et quart à chaque fois.